Et salut la petite compagnie! Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo séance dont un gros indice se trouve derrière moi. Et oui, aujourd'hui, Victoire et moi, on vous emmène faire du tir à l'arc avec nous! Comme vous le savez, en février l'année dernière, on a fait une initiation grâce à notre amie Maïna qui, elle, pratique le tir à l'arc. Elle nous avait emmené nous initier et ça nous avait absolument... Si vous aviez pu voir ça! C'était lamentable! Oui, oui, c'est les gants, oui! Et on avait absolument adoré, il y avait clairement une petite vocation qui était née. Et du coup, en tant que meilleure sœur de l'univers tout entier, j'ai offert à ma sœur du matériel de tir à l'arc. J'avais commencé à son anniversaire, j'avais offert l'arc et quelques flèches, et à Noël, je lui ai acheté d'autres flèches, et puis deux cibles, en collaboration avec notre petit frère, et également une housse pour ranger l'arc, et un... Au bruit que ça fait, ah oui, elle s'est ratée, elle est restée là. Et un petit carquois pour ranger les flèches. Donc la voilà, tout équipée. Et depuis qu'elle a tout ça, on ne rêve que d'une chose, c'est d'enfin essayer avec nos propres équidés. Donc c'est ce qu'on va faire cet après-midi. Là, on va commencer par tirer un peu nous à pied pour se remettre dedans. Et puis ensuite, j'irai chercher Gribouille, je la préparerai. Et puis on va essayer de faire une séance de première approche, de désensibilisation, de tout ça, tout ça. Peut-être avec Good aussi, j'aimerais bien si j'ai le temps, mais sinon ce sera pour une prochaine fois. D'ailleurs, en parlant du troupeau, ils sont enfermés dans le paddock derrière nous, histoire qu'il n'y ait pas âme qui vive dans. La trajectoire des flèches bien sûr. Et voilà, on est trop excités, on a trop hâte. Et c'est parti, on vous emmène avec nous. Allez, vas-y Victoire, fais-nous rêver. Olé. Allez. Oh, t'es dans le jaune. Et juste devant. Ok, deuxième cible. On l'appelle touche à tous les coups. Ouais, me mets pas la pression. Yes. Oh. Ah, j'irai voir après, on voit pas d'ici. Alors bondis. La cible l'a refusé quoi. Allez, voyons. Il y en a une qui a touché la cible mais qui a pas. Ah oui, du coup elle est plantée genre vraiment dans l'autre sens quoi. Elle est repartie. Waouh, quelle performance incroyable. Et vous pouvez voir que les flèches sont assorties aux couleurs de Didou, bien évidemment. Tu as des flèches baies finalement, comme ton cheval. Ok, maintenant troisième essai, on essaye en marchant, en enchaînant les deux cibles, parce que c'est comme ça qu'on fait. On tire à l'arc à cheval, on se met dans un couloir, comme ça on n'a pas besoin de tenir les rênes, et on tire en marchant, entre autant en galopant d'ailleurs. Ah, j'ai entendu deux pocs et un plouf. Un plouf. J'ai tiré loin. Ah, trop. Ah, trop. Moi déjà, quand elles partent toutes, je considère que c'est réussi. Oui. Oui. Ah, oh, juste en dessous, non, ouais. Et alors celle-ci, pas trop haut. Yes. Yes. Oh, yes. Incroyable. 4 sur 5, c'est beau. Les spectateurs sont en folie. Ah. Elle fait un petit twist. Elle y est. Bien. Allez, en marchant. Oui! Ah, parce qu'il faut quand même savoir que j'ai beaucoup moins de talent que Victoire, mais dans les trucs de précision en général, hein, comme j'ai des yeux en mousse. Allez! Crochette, Anne, crochette! Mmh. Faut savoir aussi qu'on fait avec des gants parce qu'il fait extrêmement froid. Ouais, il fait très très froid, il y a du vent. Et c'est pas facile avec des gants. Et du coup, on est obligé de tirer avec des gants et. Dehors. Et c'est pas simple. C'est pas trop mal! Bon bah voilà, nous on est échauffés. On va aller chercher la petite belette là-bas. Et en fait, donc on s'est aménagé le couloir du milieu du pré entre deux paddocks. On a mis, normalement il y a des embûches ici au milieu, on les a mis. En ligne pour faire un petit couloir et on a mis les cibles à une dizaine de mètres en gros. Et voilà, je vais aller chercher la grenouillette et on va essayer ça. La grenouillette est prête et on va commencer par lui montrer les cibles, lui faire sentir, toucher si elle a envie pour juste déjà lui montrer, la désensibiliser aux cibles et ensuite on essaiera de tirer à côté d'elle. Bon, sachant que depuis tout à l'heure on tire alors qu'ils sont dans le paddock juste à côté et qu'a priori ça n'a suscité aucune émotion. Regarde ça, ma grosse loutre. Tu touches? Ouais, c'est bien. Tu touches? Ouais, très bien. Super ça. Oui, tu touches? Tu touches? Ouais, très bien. Tu viens, on va voir l'autre. Regarde celle-là. Oh, ça bouge pas, hein. Tu touches? Ouais, très bien. C'est bien ça, ma grosse loutre. Tu touches? Tu lèves? Oui, bah c'est un stick comme un autre, hein, en fait. C'est bien, ma loutre. Très bien, bravo. Très bien. Oh oui. Oh, très bien. Bravo, ça.
ça je me faisais pas tellement de soucis parce que Gribouille elle est désensibilisée à tellement de choses dans la vie que franchement il n'y a pas beaucoup de nouveautés qui pourraient les branler. C'est bien ma grosse grenouille. On tire un coup, lol. Ça c'est une flèche comme toi. C'est tout moi qui viens à toi quand même. Bon je la tiens pas parce que je pense qu'elle bougera pas en vrai. Ok. Ouais, très bien, bravo. Bravo. Oh les petits yeux. Interrogateur quand même. C'est bien. C'est prêt. Pas moi, pardon. Bien, très bien. Ouais, bravo. Bon, remarque que j'en ai pas mis une, mais... C'est très bien, ça. Ah, quand même. Bravo, ma douce. Oui. Elle a moins peur quand tu tires bien. Hein. C'est... Tu ne veux que la qualité, toi, finalement. C'est bien, mon gros bidon. C'est bien. Tu vas le faire en marchant, mon gros maman. Bon, et bah franchement, cette désensibilisation, une formalité, mais je l'y attendais. Et du coup, on va commencer à monter et on va faire comme l'initiation qu'on a faite avec Maïna, c'est-à-dire que Victoire va me tenir à la tête pour le premier passage et on va essayer d'enchaîner quelques flèches. Bah c'était trop bien, elle est trop forte, vraiment, bon je m'attendais à ça venant de sa part, mais elle est exceptionnelle. Du coup on s'arrête là pour aujourd'hui, on a fait donc quelques passages avec Victoire qui nous tenait, et puis quelques passages sans être tenue, et elle a été parfaite. On s'arrête là pour aujourd'hui, mais on refera des séances d'entraînement, et quand on sera super fortiche, on fera au trot et au galop, hein ma poupette. Mais déjà pour aujourd'hui c'était exceptionnel. Et là comme il nous reste un petit peu de temps avant la nuit, et bah je vais aller chercher Goud, on va faire la même chose. Alors je sais pas si je vais avoir le temps de la monter, mais déjà lui montrer les cibles, la désensibiliser au bruit de l'arc et tout, on va au moins faire ça, et plus si affinité si on a le temps, mais pas sûr. Un trésor, on va se déshabiller. T'es une perfection ma gribouille, une perfection. Regarde ça ma goutte, qu'est-ce que c'est. Oh la tête est beaucoup plus intriguée déjà. Bah mais toi t'as moins de bouteilles que gribouille. Qu'est-ce que c'est ça mon amour. Oui très bien. Oh, oh c'est étrange. Regarde où il est le petit bonbon. Oui, oui, oui. Bravo. Très bien ça. Et celle-là alors. Oh celle-là est encore plus impressionnante. Ouais, très bien. Ouais, très bien. Super. Très bien. C'est bien. Oh, ça on s'en fout. On met la bouche. Ouais, très bien. Ah, plus facile que les cibles. Ouais, ça va aller là. Un peu trop bien peut-être. Tant qu'il y a des bêtises à mettre à la bouche, ça marche ça. C'est bien mon ange. Très bien. Bravo mon ange. Bravo mon ange. Bien. Très 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 bien. C'est bien.
t'es super courageuse. T'as pas peur toi, t'es un grand petit âne. Oh, c'est bien! Ça claque plus que quand il y a une flèche! Oui! C'est très bien! Oh là là, c'est bien! C'est tellement bien! Bravo! Oh là là! Bon, idéalement, ce serait bien si je les mettais dedans, quoi! Bravo! T'es prêt? C'est très bien! Oh là là, tu m'impressionnes! Tu m'impressionnes! Ah bah quand même! Bravo! Mais quel loutre enflammé! Ben, je suis trop contente, c'était trop bien. Bon, Gribouille, c'était vraiment sans surprise, mais ça ne retire rien au fait qu'elle est parfaitement merveilleuse. Et Goud, je m'attendais à ce que ça bouge un peu plus, et finalement, rien à faire non plus. Les cibles étaient plus impressionnantes que le fait de tirer à côté d'elle. Pour le coup, d'une part, la nuit commence à tomber, donc c'est l'heure de faire les crottins, et d'autre part, je voulais de toute façon pas être trop gourmande pour cette première séance, donc effectivement, j'ai pas monté. Mais je pense que ce sera pour la prochaine fois, quoi, parce que vraiment, elle en avait rien à faire, elle était trop contente que je lui propose un truc nouveau. Elle a été archi impressionnante aussi. Vraiment, je m'attendais à ce qu'elle ait de plus grosses réactions et tout, et rien à faire, une perle. Bon, du coup c'était une petite vidéo pour une petite séance, mais à la fois c'était tellement bien, et puis c'était une grande première, donc encore une fois je veux pas être trop gourmande. Mais du coup, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et si vous voulez revoir d'autres vidéos séances d'entraînement ou tir à l'arc, je vous ferai ça avec plaisir. Et puis une prochaine fois, Victoire fera ça aussi avec moi. J'ai très envie aussi d'essayer avec Rennes, elle a envie d'essayer avec Didou, et puis surtout on a aussi très envie de faire ça en attelage avec Pépita. Je sais même pas si ça se fait, je sais même pas si ça existe, mais si ça n'existe pas, nous inaugurerons un nouveau sport, le tir à l'arc à l'attelage. Donc si vous voulez voir tout ça, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Je voulais de nouvelles aventures en 2024, mais ma foi, ça commence très très bien. Merci beaucoup d'avoir passé ce petit moment avec moi, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais de très très gros bisous et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah.